Bonjour tout le monde, c'est Néovent, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ce coup-ci, je suis toujours sur le jeu The Cave. Ce coup-ci, on s'attaque aux jumeaux diaboliques. Il n'y a pas d'autre mot. Very grim part of our journey this evening. Grim not because of the atrocity we're about to witness, but because of who is going to commit it. I speak of those darling children, the twins. Watch, but don't be afraid to avert your eyes, especially if you yourself are a parent and you enjoy making soup. Voilà. Alors c'est une partie de l'histoire qui est assez, je la trouve assez dérangeante. Hein. Moi j'accroche pas trop à ce niveau-là. Le niveau est bien structuré, hein, mais je trouve assez malsain, je dois dire. Voilà. Alors le pouvoir des jumeaux, je vais lâcher cette pelle. Hein. Voilà. On se retrouve juste après la pyramide. Hein. Je viens de terminer la mine. Je suis passé à côté de la pyramide et voilà. Donc le pouvoir des jumeaux, c'est de se dédoubler. Voilà. Hop là. Enfin normalement. Par contre, faut pas qu'il reste trop loin en fait. C'est pour ça que ça déconne. Hop là, voilà. Ça dure. Soit ça dure pas suffisamment longtemps, soit il faut pas qu'il soit trop loin. Alors là, il y a quoi? Ok. Bon bah ça c'est fait. Ouais bon. Hop, alors je crois que là ça va s'enchaîner la voyageuse temporelle et puis les juste après. Ah oui c'est vrai. Hop. Voilà. You don't want to know the building permit hell I went through to build that thing down here. It does have walk-in closets. It's those small touches that make the difference when it comes time to put it on the market. Non, on peut pas passer par là. Dumpy. Voilà, bon alors là on se retrouve dans une ambiance clairement glauque. Une espèce de grand manoir qui est assez gigantesque, hein, faut avouer. Et je ne me souviens plus exactement ce qu'il faut faire. Je sais comment y arriver, faire certaines des choses, mais je me souviens pas de tout. Il y a un couteau dans un nounours. A beautiful house in the cultural heart of Victorian London. Two loving and caring parents. What could children want more? Apparently, what they desire most is freedom. Freedom from bedtimes and chores. Freedom to run wild with no one to hold them back. We're about to see what happens when two adorable children snap. Ah ouais, va me falloir le parapluie pour monter au grenier là, hop. Alors, le parapluie, je l'avais vu, il était... C'était pas là? Non, c'était plus bas, certainement. Hop, non, encore en bas. Hop là. Terribly sorry, loves. I can't let you go out and play with your friends until you've had your supper. Your mum's making your favorite. Sausage and tater soup. Ok, soupe aux saucisses et patates. Ça me donne faim. Quoique je n'ai jamais goûté de la sauce... De la soupe aux saucisses et aux patates. Soupe aux patates, j'ai déjà dû goûter au moins une fois. Enfin, une soupe qui contient de la patate au moins une fois, je pense. Par contre, la soupe avec de la saucisse, j'ai jamais goûté. Hop. Voilà. Alors ici, on a une peinture rupestre. Voilà. Planche branlante. Hop. Là, on a une boîte à fusible. Hop. On va récupérer le fusible. Voilà. Et on va pousser la boîte. Ah, c'est bien ce que je pensais, je peux pas passer, il va falloir que je récupère un marteau. Alors ça, déjà le fusible, on va le déposer, il ne sert que là, si je me souviens bien. Là, il y a Chuck la plante. Après Chuck Norris, Chuck la plante. Oui, je sais, c'était pourri comme blague, mais bon, c'est pas grave. C'est normal, c'est normal.
Alors. Où est-ce qu'il y a un marteau? Je sais qu'il y a un marteau quelque part, mais je me souviens plus où. Ça, par contre, ça risque d'être problématique parce que la zone est super, super, super grande. Et j'ai tendance à m'y perdre. Pas que c'est compliqué de s'y retrouver là-dedans, mais bon. C'est grand. C'est grand, c'est grand. Alors, nourriture pour chien, porte de la cave. Ça, je vais en avoir besoin plus tard, la nourriture pour chien. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Hop, je ne me souviens plus. On a un robinet, ok. Hop. Oh, quiet down! You don't want to disturb the dear twins. Sounds like the nice little doggy of yours is famished. Would you two be dears and go fetch him his dog food? Je veux bien, mais j'ai pas la clé. Please don't touch the soup, loves. You might burn your delicate little hands. Alors. Oula. Ah oui, c'est vrai. Dire qu'ils sont gâtés pourris serait un euphémisme, à mon avis. Alors. Hop. Voilà. Le pot de chambre, on s'en servira plus tard. Alors. Donc il faut préparer la soupe, faut aider en fait à faire, faut faire en sorte que la soupe soit prête pour que le père s'en aille et que on puisse se barrer, tout simplement. Bon alors là, hop. Bah alors. Voilà. Ça on peut le laisser maintenant. Hop. Porcelaine de Limoges. Ouch. There goes the fine china. Enfin, peut-être pas de Limoges, non. Et allez, ça continue. Ooh, there goes the broken china. Alors non, je peux pas la faire passer de ce côté-là. Il va falloir que... Parce que là j'ai un petit rebord normalement qui m'empêche de la faire passer, ouais. Donc il va falloir que je continue dans ce sens-là, je vais la faire descendre tout en bas. Hop là. C'est pas comme s'il y avait des trucs de valeur ou quoi que ce soit à l'intérieur en plus. Ah merde. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Je me suis fait écraser par le carton de porcelaine. Alors ce que je vais faire, je vais aller chercher le pot de chambre. Parce que ça me servira un peu plus tard. Hop. Par contre, je me souviens plus du tout où il est. S'il est là, il est là, il est là. Allez. Hop. Voilà, où est-ce qu'il est passé le carton? Là. Voilà. On est obligé de le faire passer par là. Hein. Are you kids building a fort? Oh, that's so cute. Je dirais pas que les parents sont des irresponsables, mais presque. Oh, what was that crash I heard upstairs? Bah, rien, ne t'inquiète pas. Alors, hop, on va monter par là. Ah, mince, je suis bloqué. Alors, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais il m'est arrivé, lorsque je jouais sur ma partie, de me retrouver plusieurs fois bloqué. De retrouver mes personnages bloqués dans le décor, et c'est assez énervant, parce que, surtout dans un cas comme ça, où si je n'ai que ce personnage-là que je peux jouer, les autres ne sont pas jouables, enfin, ils ne peuvent rien faire, quoi. Ils n'ont aucune action, enfin, ils peuvent rien faire du tout, quoi. Vous m'avez compris. C'est pas là, c'est un étage au-dessus, je crois. Hop. Alors, je ne me souviens plus du tout à quoi sert le carton. Mais je sais qu'il faut le faire monter avec l'ascenseur. Hop. Voilà. Ah si, ça y est, je crois que je me souviens. Ça sert à monter sur le toit. Hop.
Ces jumeaux sont quand même frappadingues, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien le gamin qui tient l'espèce de pot de chambre avec les dents. The smell of rotting sewage floating in the Thames. Thick industrial smoke choking the air, and horse manure piled high on every street corner. Ah, it must be springtime in London. On est à Londres, hein. Voilà. Hop. I'd make a Mary Poppins joke right now, except that it's not in the public domain, and I don't want to get sued. Again. Alors là, on a un passe-partout. Hop. Well, the twins have the run of the house now. What kind of mischief will they get into next? Moi, faire des bêtises, non, pas du tout. Franchement, je vois pas du tout ce qui vous fait dire ça, quoi. Non, mais pas du tout. Hop. We have now reached the grimmest part of our grim story. For that small box shoved into the corner is the ticket out of this house for the twins. Let's watch, shall we? Alors si vous n'avez pas vu, il y a de la mort au rat. Please, stop barking. You know what happened to the last dog that barked too much. Alors là, par contre, je peux normalement interagir avec ceux-là. Hop. Alors on ne peut pas aller plus loin, si je me souviens bien, par là, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, on peut pas passer là. Hop, une fois que le chien est passé. Hop. Déjà là, on a une peinture rupestre. Je crois que c'est la troisième, il me semble. Voilà, là on peut passer maintenant. Ok, hop. Maintenant on va pouvoir aller chercher la mort au rat. Rat poison. You know, if one were to examine this box of rat poison carefully, the instructions would read, one small thimbleful added to food will cause intense, horrifying, and excruciating death. Side effects include tingling, blurred vision, occasional dryness of the mouth, and getting to go outside and play. Hop là, on va prendre un os. Voilà. Alors, ce niveau-là est moins basé sur le travail d'équipe que les autres, quand même. Un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Please, stop your barking. You know how much the twins hate that barking. Soup is ready and it smells delightfully delicious. Why don't you two darlings go wash up for dinner? Don't take too long or we might start without you. Bon, on va se laver les mains. Doing as they're told? The twins might be turning over a new leaf. You see, this is why I never had kids. Well, that and being a cave with no real form of reproduction. But that's beside the point. The point is, the twins, well, I don't know if there is a point to their madness, but they may find their newfound freedom comes at a cost greater than they're capable of imagining. And as with the rest of our travelers, and perhaps even you, I guess only time will tell. Shall we continue our journey? It's been so enlightening thus far. Ooh, I can't wait to see what happens next. Allez, bah je crois que on va s'arrêter là. Ok. Voilà. Alors, hop, on va mettre lui. Voilà, bon allez, on va s'arrêter là. Parce que là, c'est le niveau de la... Comment ça s'appelle ?
de la voyageuse temporelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour le niveau de la voyageuse temporelle. Allez, à plus les gens, merci et ciao.